Adieu, adieu les gens. Comment ça va, ça va, ça va, ça va? Eh ben ici on est sur la fin d'année, hein, comme on dit. Et ça avance plutôt pas mal. Alors, la deuxième couche d'enduit a été faite partout. Voilà. Deuxième couche d'enduit, partout, 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 partout. Y compris. J'ai un chat dans la gorge. Y compris donc forcément dans la buanderie, y compris dans l'épicerie, etc., etc., etc. Jusqu'à dans le garage. Donc maintenant, il va falloir poncer tout ça. Parce que bah, forcément, il y a des petits rattrapages à faire. Bon, ils sont pas flagrants, flagrants, mais par exemple, j'en vois un ici. Vous voyez, grosse bavure ici et un peu là. Après, j'ai essayé de faire ça vraiment proprement, histoire qu'il n'y a pas grand-chose à poncer. Vous voyez ici, là, quelques coups de couteau vite fait ici, un petit peu là. Mais en règle générale, déjà, si je passe la main, j'ai vraiment pas beaucoup à poncer. Enfin, pas beaucoup à poncer. J'ai à poncer, mais j'ai essayé de ne pas travailler comme un gros cochon. Donc, ben là, ça va être l'étape ponçage. C'est pour ça que j'ai protégé ben, tout, 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 tout. Hein? Voilà. Là, c'était mon tableau électrique, donc je l'ai protégé. J'ai protégé aussi un peu ben, ma cheminée, je l'ai protégée aussi. Hein. La cheminée complètement bâchée, parce que vu qu'elle a quelques aérations à 2-3 endroits, ben, hein. Voilà, ici pareil, protection un peu partout. Là, bon. J'ai mis le carton de la paroi de douche. Et en fait, vu que c'est assez lourd, j'ai mis des tréteaux. Donc ici aussi, hein, pareil, hein, deuxième couche d'enduit faite, maintenant c'est ponçage. J'ai également protégé forcément le tableau électrique. Hein, enfin, j'ai tout protégé partout. Parce que comme ça évitera au maximum que la poussière s'insère s'insère partout. Parce que ça va être l'orgie. J'ai éteint les chauffages, puisque forcément je vais aérer dans tous les sens. Alors, l'autre nouveauté, parce que il y a eu Ayant qui est passé de temps en temps. Donc, bah, vu que j'étais en train de faire les enduits et que à deux, bah, c'est pas très constructif, hein, franchement, de faire des enduits. Et ben, bah, je l'ai crochet à faire la descente ou l'avancée du garage. Et donc, et bah, il a pas trop mal travaillé et on a pu couler ça hier ensemble. Tadam! Et voilà la petite descente du garage. Le projet d'Ayant, voilà. Bon, on l'a coulé tous les deux, franchement, forcément, mais c'est lui qui a fait les coffrages, qui a tout fait et tout le tralala. C'est pas trop mal. Il a laissé sa petite empreinte de pied juste ici. Et nous, notre famille, on a fait. Bon, je viens de la talocher, c'est normal qu'elle soit lisse comme ça. Nous, on a fait nos empreintes de main ici. Là, il y a Ricou, là, il y a moi. Attends, Ricou, moi, Loulou et ma chérie. Et voilà, avec la date, juste ici. Oh, ça fait petit souvenir. Hein. Ça fait petit souvenir. Voilà. Après, bah ça c'était donc le projet d'Ayant. Il s'est pas trop mal démerdé, franchement, sur le coffrage et tout, c'est pas trop trop dégueu. Ça va. Enfin, c'est même très bien, hein, parce que franchement, au moins ça va venir. On va pouvoir y accéder beaucoup 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 plus facilement. C'est vraiment bien. Avec petit décroché, petit décroché. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, la dalle, comme dirait Ayant, a été enlevée sur tout le long pour que le prochain projet qu'on aura avec lui, ça sera de positionner l'avant-toit à ce niveau-là. Il a enlevé l'antenne qui est là-bas maintenant, au sol. Voilà, il a enlevé l'antenne. Ça fait un peu vide, ça fait un peu nu. Mais bon, au moins comme ça, je vais pouvoir refaire les gouttières tranquillement, sans que ça pisse partout. Et puis on va donc fixer la prochaine fois ben, les bandeaux d'avant-toit et tout le tralala. Et mon petit ruban LED qui va faire la lumière extérieure avec la. Je sais pas si on le voit là. C'est la prise. C'est la prise du ruban LED. Tout est déjà préinstallé de toute façon. Et voili voilou. Hein? Ça c'est pour la suite des opérations. Bon allez, maintenant je vais devenir tout blanc, on va poncer. Hey, je ferai une vidéo pour ça. Allez, salut, salut les gens!